Naradio sur Facebook. Naradio sur Facebook. C'est Naradio officielle. Clémence Bottineau, Sylvie Tellier, Laurent Mestré, Claude Dartois, Dominique Bussereau, Christian Prudhomme et j'en passe. Les célébrités et les officiels du département s'étaient réunis à la maison de la Charente-Maritime pour une cérémonie en l'honneur de Mécénat Chirurgie Cardiaque. À l'occasion du Tour de France, le département s'était associé à l'association en lançant l'opération La Charente-Maritime a du cœur, grâce à laquelle 24 000 euros ont été ajoutés à la grande collecte de l'association. Orso Chetoshin, directeur de l'association, au micro de Naradio. Alors le Tour de France, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. On a opéré grâce au Tour de France 300 enfants. 300 enfants qui ont été sauvés grâce au Tour. Donc c'est assez fantastique et on est toujours très bien reçus, très bien encouragés par les gens. Et ça, c'est important quand on est une association d'être encouragé. Alors opérer un enfant, c'est très précis. Ça coûte 12 000 euros, c'est un prix forfaitaire. Tous ensemble, on arrive à faire quelque chose d'assez fantastique, de défier la fatalité, c'est-à-dire permettre à un enfant qui était condamné de vivre toute sa vie avec un cœur en plein état. Engagée auprès de l'association, Katrina Patchett était la marraine de l'opération Hashtag ton cœur. On est vraiment là pour redonner quelque chose, pour être là pour donner de la vie, quoi, tout simplement, tout en prenant du plaisir à essayer de ramasser un maximum pour ceux qui ont vraiment besoin. Et puis voilà, ça me tenait vraiment à cœur d'être là. Katrina Patchett au micro de Naradio et on peut dire que l'opération a été une réussite puisque deux enfants pourront être soignés grâce à l'argent récolté. Naradio sur Facebook. Naradio sur Facebook. C'est Naradio officielle.